Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ministère Santé publique et population fait toute entreprise pharmaceutique qui vend ou bien distribue médicaments dans le pays à Koné. Yo capable acheter vaccin COVID-19 là pour venir vendre en Haïti. Décision ça prend pour faciliter tout le monde qui a une volonté pour vacciner tête yo gain accès à vaccin. D'après notre ministère a metté dehors mercredi 23 juin 2021. Tout le monde qui est intéressé est capable de demander au ministère autorisation pour entrer avec le vaccin contre COVID-19 là dans le pays. MSPP dit qu'il remercie toute l'autre institution qui a une volonté pour aider dans le combat maladie coronavirus là dans le pays. L'autre dossier, secrétaire d'État communication a démenti information qui voulait faire quoi. C'est premier taxe force ou force intervention qui mettait sous pied pour porter secours par les gens qui courir qui étaient caillou dans la zone côté bandit exam absimé la trouble. France Exantus fait connait gouvernement a continué travail pour porter assistance par les gens qui déplacés. On avait vite suivre un extrait. M'a démenti ou information nous tend des alors parole nous tend des capable dans la presse comme quoi c'est seulement avant hier gouvernement ta font task force sous question gestion déplacé. M'a dit pas rien ça du tout. Dès le début, chaque ministère, chaque instance dans gouvernement, qui c'est ministère affaires sociales, qui c'est direction protection civile, qui c'est office national migration, yo était toujours pour responsabilité yo pour accompagner les monde qui déplacé à travers FAES, à travers mairie et la trier. Donc, task force là, c'est renforcer, le renforcer travail là pour continuer à faire. Donc, dès le départ jusqu'à Kounia et dans Jouka Pinio, le gouvernement a continué à accompagner les gens qui sont obligés de quitter zone à cause de violence et tension pour être capables de retourner la caillou. Ministre Kiltia Communication a exprimé contentement pour trois Haïtiens Académie française honorés jeudi 24 juin. J'ai ça symbolisé une fierté pour le pays d'Haïti, d'après ministre Pradel Henriques. Il y a un extrait. Il y a Mme Emily Prophète, qui est directrice d'ailleurs, je suis fier pour me dire ça, directrice qui est dans le secteur ministère culture, il est directrice générale du Bureau Haïtien Droit d'auteur, et il écrit plusieurs romans. Et donc pour l'ensemble de son travail, il a obtenu le prix du rayonnement de la langue française. Ce qui n'est pas banal. Hein? Ce n'est pas banal du tout parce que la langue française, ce n'est pas une langue essentiellement haïtienne. Hein? On a toujours eu des intellectuels haïtiens, notamment je pense peut-être pour Jean Lauriol, qui était un prix extrêmement important pour le travail, il fait dans le domaine de la langue française à travers son œuvre. Et donc jeudi, hein, nous gagnons Emily Prophète. Et nouvelle la lagué hier, nouvelle la connue hier, 24 juin, elle a eu le prix du rayonnement de la langue française. Donc, Louis-Philippe d'Alembert, nous connaissons qui vit surtout en France, mais lui-même, il a gagné le prix, un prix de poésie de l'Académie française. Et ça qui est plus important pour nous, que nous attirer l'attention, c'est Franck Etienne qui lui-même a eu le prix de la francophonie. Bravo. Donc, nous avons trois personnalités que l'Académie française, qui sont institutions du 17e siècle, pour nous quitter. Et faire littérature française, moi, je me dis que c'est passion PAM, c'est ça m'enseigner, lettres. Et donc, l'Académie française, c'est une institution extrêmement importante qui s'est créée à l'époque sous Richelieu. Et Louis XIV, tu es en pile support pour l'épanouissement, le jeudi. Hein. Et donc, l'Académie, ça, tu as analysé plusieurs personnalités de travail, plusieurs personnalités dans le monde. Et il y a 65 personnalités que ont retenues dans le monde, que ont honorées dans différents domaines. Domaine, c'est la philosophie. C'est la littérature, c'est l'histoire, l'essai et la critique. Et parmi 65 personnalités, ça, nous avons 3 en Haïti, ce qui n'est pas simple. Hein. Dans 65 dans le monde, nous avons 3 qui portent maillot là et donc qui honorés par l'Académie française, dont Franck Etienne, Emily Prophète et Louis-Philippe d'Alembert.
Ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joiseius, exprimé satisfaction là, pour quantité chantier lidique avancé en dans pays. Numéro 1, MTPTC a cité comme exemple route Kafou-Joff-Port-Paix qui joint un financement trésor public avec divers autres chantiers dans le département Nord, la Tibonite, Nord-Est et Grand Sud. Pour le projet qui joint un financement BID, Banque mondiale et Union européenne, ministre a demandé Bayer International Sayo pour respecter engagement. Richardson Jourdan pour un extrait. Partie nord-ouest là, qui gagne 36 km, qui gagne plus de 30 ouvrages là-dedans, qui commence dans le bassin bleu, qui finit dans le port de paix. 36 km ça, forme dit non, depuis plus de 60 ans, à chaque régime, il y a toujours à faire. Il tourne un programme pour le monde qui a fait campagne. Il n'a pas jamais fait. Et l'été doit commencer depuis en 2018, avec Banque Interaméricaine de Développement. L'Emparet, président Jovenel Relim, l'elle dit, n'a souhaité au ministre, dit président, n'a pas parlé à Zambien. Il dit, ah bon, vous avez parlé avec elle? Il dit oui. À l'autre moment, le monde qui Relim, il dit non, pas de fait back. Et moi, je dis, ok. Et le président dit, wap, idem, nous comptons sur. Premier bain d'aimant, idem fait, RN5 là. Et nous commençons à travailler ensemble. Je dis, tant qu'on me dit non, 85% du projet ça réalisé, 85 à 90%. Prochainement, nous allons inaugurer la partie nord-ouest là. Je vais parler de la ville Port de Paix, par contre, si il y a un monde Port de Paix qui était là, ce n'est pas propagande, son constat, son réalité. Si ça me réalise, moi je dis son propagande, d'accord. Propagande et Port de Paix, c'est une ville qui est plus sale que en Haïti. Je dis, il presque fait partie d'une ville qui est plus propre. Canalio totalement réhabilité construit, des dégraveurs construits. Et yon nan route, boulevard des Trois Rivières, côté carnaval la défaite là, nous n'avons pas jamais pensé route ça a fait, nous réaliser. Et yon nan route qui est intéressé tout, c'est Richard Brisson. Parce que moun sa a te dit mon bagay. Et nous réaliser route ça, c'est trajectoire ça qui te permet carnaval la fait. Et nous pouvons tout le monde pour des paix et tout le monde dans le pays te content. Pas que seulement RN5 et ville pour des paix. Gentou bas nord-ouest. Tout le monde qui compte bas nord-ouest, l'arrivée BDN pour le bombarde, des gros côtés qui les mon chien. Le président passe le mon chien, qui gagne au total 5 km, machine à chavir matin, midi, mon ap mouri, il dit non, il n'y a pas qu'un président, et surtout mon nord-ouest, pour le aller quitter ça à tout. Et il dit non, on a embarqué. Je dis, dans 5 km, là, n'ont déjà réalisé 3,5 km là-dedans. Négociation n'ont rien à bide. Il était d'accord tout. Les grands partis en régie. Parler en régie, ça le veut dire. Laisse le contrat, son appel d'offres qui fait. Des films viennent acheter appel d'offres là. Il y a bidé, moun ki gen meilleur prix, li gen, et ces films ça, qui a réalisé pour l'État haïtien, travail là, mais c'est travaux publics. Régie, ça dit, travaux publics, avec matériel, on parti personnel, la précobre que Bajwa a bali, l'a réalisé pour le plan. Donc, route pour des paix en affoleur, qui 30 km, BID a financé le poumon à hauteur de 15 millions de dollars américains. La donne de trois ouvrages, trois ponts, qui totalisait 9 millions de dollars, l'a financé le tout. Et, parti ça, première semaine, mois, juillet, on a commencé avec. L'agence est disponible, protocole là déjà signé.
Je nous annonce le titre, le ministère des Affaires sociales a travaillé en tête collée avec le programme Nations Unies pour le développement, lancé vendredi 25 juin 2021, projet intégration politique nationale pour protection et promotion sociale dans la planification et action sociale. C'est un projet pilote qui a touché 12 communes dans le département centre, nord, nord-est, sud-est et l'ouest. Objectif démarche là, c'est arriver à collecter données dans la région national pour porter réponse à la vulnérabilité commune Sayo d'après coordonnateur adjoint unité étude à ce programme dans le ministère affaires sociales en suivre. C'est un projet et dans le cadre protection sociale. C'est un projet intégration de la politique nationale de protection et de promotion sociale dans la planification et l'action locale. Ça veut dire que le ministère des Affaires sociales a un document de politique nationale sur la protection sociale qui était adopté par le gouvernement depuis le mois de juin de 2020. Et bien qu'on a un document ça, dans le cadre de mise en œuvre et document ça, et nous, ensemble avec le ministère des Affaires sociales, a implémenté un projet pilote. Et dans 12 communes dans le pays, il y a 4 communes et dans le nord, il y a 3 communes et dans le centre, il y a 2 communes dans le nord-est, il y a 2 communes et la Gonavio, et puis il y a une commune dans Ans et Apit. Qui ça projet ça est? Le projet ça c'est renforcer le système et des formations ministère affaires sociales qui sigle c'est CIMAS, c'est système de ciblage. Système de ciblage là, on connaît dans le cadre projet de protection et de promotion sociale et par manque de moyens et pays, il faut gagner des priorités. L'État n'a pas qu'à faire tout le bagaille ensemble, mais il faut passer par le monde qui est plus vulnérable. Et pour nous vivre sur le monde qui peut venir à nous, il faut identifier. Ok? Dans ce sens, le ministère des Affaires sociales avec travail, un système d'information qui est le CIMAS, qui existait déjà depuis en 2013. Et je vous dis qu'il y a eu une couverture de 23% de population qui a enregistré 530 000 ménages et sur tout le pays. Et pour ça, viser. C'est renforcer le système ça, faire en sorte que plus de monde est enregistré. Dans le cadre de la première activité de CIMASIO, nous avons fait enquête et dans la commune. À chaque fois, nous avons identifié une équipe qui est déplacée et puis avec équipe qui est sur le terrain. Et puis, qu'elle fait enquête et nous vérifier et bon enquête et nous analyser les données. Et puis en fonction de l'indice national de pauvreté, qui c'est INPV, qui est calculé et indice de pauvreté ça. Et puis sur base d'indice de pauvreté ça, qui définit des critères de vulnérabilité et à partir de là, il identifie Mounsayo après enquête comme vulnérable. Bureau secrétaire d'État pour alphabétisation ak mairie Tabas signé vendredi 25 juin 2021 yon accord partenariat. Plusieurs organisations étaient présentes dans le cadre de la cérémonie accord ça. Elisa Kolo, Michel Joseph, compte rendu. L'objectif principal pour GESA, c'est apprendre moun li ak écrit dans la créole et puis former moniteur pour éduquer employé mairie dans augmenter connaissance sur utilisation la créole d'après président commission communale Tabac Nice Simon. À côté de toute considération ça qui fait pour encourager dirigeants dans domaine l'élevation à la culture, surtout le dirigeant dans l'exécutif là qui placé dans tête pays pour balayer bon genre directive. N'a pas rappelé, yon langue maternelle, yon monde ses entrailles. C'est tout ça ou dit, c'est tout ça ou écrit. Il est le temps pour l'en créole comme outil scientifico-linguistique entrer en grand genre dans l'écriture administrative publique l'État haïtien. On continue à faire langue créole là, à côté de langue française, yon instrument dialectique comme méthode pour discuter.
pour raisonner, pour faire recherche et puis pour interpréter tout langage qui a aidé tout le monde, jeunes et professionnels haïtiens, à comprendre plus bien la science, littérature et culture pour un développement sans fausse côté. Secrétaire d'État alphabétisation, F.V. Saint-Élu, salue et puis remercie si pour ministère éducation nationale et formation professionnelle pour façon de contribuer dans le projet ça. L'État, à travers SEA, ramasse l'alphabétisation dans tout le pays. Tout le monde qui veut collaborer dans le travail ça, côté il y a des populations sorties dans la route, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, doit adresser direct à secrétaire d'État alphabétisation, capable. Orienter les affaires méthodes, livres et l'autre matériel qui est nécessaire pour faire alphabétisation sur tout territoire national. C'est l'État tout qui a supervisé cette alphabétisation. C'est l'État qui a évalué l'apprentissage qui a fait dans le centre. Et c'est l'État tout qui a signé un diplôme pour les gens qui finissent apprendre à écrire. C'est ça que nous appelons régulation. Alphabétisation, c'est le combat national lié. Lorsque j'ai commencé ce discours, j'ai été employé expression conduite alphabétisation. Charles qui relie à l'alphabétisme. C'est un pile problème qui a semblé depuis longtemps la commune. Malgré les efforts qui fait, il y a un bon et un paquet de frein action qui n'a pas lire, qui n'a pas écrit, jeudi. Charles Alou, l'État a plein de concours tout le monde, toute autorité locale et toute organisation, la société civile là, pour venir protocoler dans le groupe COVID. À quoi nous avons aujourd'hui, c'est participation, pas organisation qui m'a eu. Nous avons combien de solidarité ça pour nous capables de finir à causer un alphabétisme. Partenariat ça, signé vendredi 25 juin 2021, l'abdi Rion l'année d'après secrétaire d'État alphabétisation. Observatoire Jeunesse Haïtienne remet jeudi 24 juin plaque d'honneur by trois gagnants concours qui ont été réalisés sous thème Jeunes, je m'engage pour la santé sexuelle et reproductive. Activité ça a été occasion pour responsables nommer et puis présenter Jeunes Sayo comme ambassadeur santé sexuelle et reproductive. Jeunes Sayo c'est Yolina Bedji Janvier, Matania Charles et Douvens Massé. John Herbie Kaseus pour un extra. L'année dernière, l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne a été réalisé en première édition du concours santé sexuelle jeune engage pour la santé sexuelle et reproductive. Et pendant que ça, il y a un cadre de projection qui m'a été fait tout à l'heure, il y a plusieurs jeunes qui étaient postulés pour être capables de présenter à pas observatoire, mais la population, acteurs capitaine dans le domaine, qui sont gagnés comme engagement dans le domaine. L'objectif pour nous, c'était de permettre que nous, à la fois, représentons des jeunes qui engagent dans le domaine de la santé, mais en même temps, pour présenter les jeunes comme des modèles pour les jeunes. Parce que la santé sexuelle, première catégorie sociale, premier tranche d'âge, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont reproduit. Donc, c'est eux qui, en pile fois, entrer dans la question qui est la santé sexuelle et reproductive. Il n'y a pas de concerné dans la question ça. Effectivement, pour pouvoir réaliser et nous avons des gagnants dans le cadre des concours ça. N'a pas appelé responsable observatoire jeunesse haïtienne, remède jeudi 24 juin, plaque donnée par trois gagnants concours ont été réalisés sous thème Jeune, je m'engage pour la santé sexuelle et reproductive. Fonds assistance économique et sociale distribué placho vendredi 25 juin par plusieurs centaines de familles qui réfugiées dans centre et sportif Kafoua. Majorité citoyens sa yo soti matisan à cause bandi exam continue à créer panique dans zone ça. Quelques bénéficiaires yo salier initiative faire cela pendant yo continue mandé responsable yo créer conditions pour yo retourner côté yo tap vivre là. Yo extra dans micro Lunel Jean-Louis avec Max Joseph. Les jeunes mangent 24 sur 24, les jeunes bien, c'est vrai. Son côté d'Angélien, je ne vais pas remettre tourner en bas encore. C'est pour l'État dégager, pour nous vont côté, pour le faire un projet, pour le battre son projet, pour le mettre mon ça. Moi-même, je bat bravo devant le gouvernement. Tout le responsable est venu, merci bon Dieu. Il ne va pas négliger nous. Vous voyez, mesdames là. Moi-même, je vais un gros coup de chapeau spécialement pour le magistrat Gide. Et puis, protection civile, du pas, j'aime négliger nous.
Ministre Travaux Publics, Transport, Communication, ingénieur Nader Joiseus, visité mercredi 23 juin, travail asphaltage qu'a réalisé sous route Barrière-Batan pour Albout, Kafoumena et Saint-Raphaël. Pendant visite ça, ministre Joiseus Tegakli, directeur départemental Travaux Publics là, et puis délégué départemental Noah Richardson Jourdan, Hervé Pierre pour détails. Travail asphaltage route barrière battant pour bout Kafoumena Saint-Raphaël là redémarré. Ministre Nader Joiseus ak directeur départemental TPTC Noa Talfouni Jigade comment travail yo avancé. Saint-Raphaël fait pour y en a Saint-Raphaël Kafoumena. Et Saint-Raphaël Kafoumena là nous pas passer dans ce historiquement, n'a passé par la rivière du Nord, nous même n'a fait barrière battant rivière Kafoumena. C'est vous montrer là c'est l'agent trésor public là nous à l'aise. Nous avons travaillé à toute heure. Nous avons travaillé à la travail. Malgré la pandémie, nous respectons toutes les règles. Notamment, nous mettons des masques. Au contraire, nous mettons des masques pour protéger. Nous avons lavé maintenant, mais nous continuons à travailler. Nous n'avons pas quitté aucune pandémie, quelle pandémie humaine, quelle pandémie maladie et coronavirus. Nous avons combattu pour nous aller vers l'avant. Nous avons travaillé sur le barrière battant, nous avons préparé les couches de base et pour l'évaluation. Donc nous avons parlé de l'affaire de 3500 m3 que nous avons gagné dans le contrat pour nous mettre l'asphalte sur le barrière battant et Kafoumena. Donc c'est sous lui que nous commençons là, sous contrat ça, sous contrat 3500 m3 ça. Donc à 3500 m3 ça là, nous avons fait tout effort pour nous arriver ensemble avec Kafoumena. Donc c'est sous projet ça que nous avons travaillé là. Donc dernier visite tout le monde que nous avons fait là. Donc c'est sous lui que nous sommes là que nous avons travaillé. Délégué départemental Nord à Piro de Gaulle Augustin, salué divers travaux. Administration Jovenel Moïse là a réalisé dans la région. Délégué départemental l'a dit, il est déterminé pour satisfaire la population. Captain finissement travail sur route barrière battant Kafoumena Saint-Raphaël là. Je dis à grâce à président Jovenel qui au pouvoir, grâce au gouvernement, mon grand prêt à bénéficier à asphalte là, n'a continuer route là. Et nous pensons nous parler jusqu'à Kafoumena. L'important pour que nous disions peuple haïtien et en général captain de nous, cap garder nous et l'important pour que nous mettions nous au travail. Trois brigandais dans le pays. Je pense que si le président Jovenel a plus de possibilités pour te joindre la paix, pour te joindre bon gens collaborateurs, pour être capable de travailler ensemble avec lui, mettre les mains ensemble avec lui, que ce soit dans l'opposition, que ce soit et au sein du pouvoir, je pense que ça fait plus de bagailles. Et je dis à la, nous n'en avons, nous avons bénéficié d'asphalte sur la barrière battant pour le Kafoumena jusqu'à Saint-Raphaël. Nous avons bénéficié asphalte sorti Kankok jusqu'à Vaudreuil, cap haïtien. Moi pense que nous va gagner mot encore pour nous remercier président pour effort si là. C'est film Kwamko qui gagne contrat pour réaliser travail asphaltage ça pour l'état haïtien. 152 arrestations parmi eux 5 présumés kidnappés, 65 pour association malfaite avec divers matériels saisis. Ce bilan police nationale a présenté vendredi 25 juin 2021. Ensemble, opération SAIO réalisée dans la région métropolitaine Port-au-Prince-là, sorti 1er pour arriver 24 juin 2021. Inspectrice divisionnaire Marie-Michelle Verrier renouvelée détermination recommandement PNH là, Lydie, qui déterminé pour freiner zak brigandage ak insécurité qui a augmenté chaque jour dans la société. Midray Milias, Maxo Joseph. Gagné de présumé bandit qui a arrêté dans la zone Camperin. C'est la date 21 juin 2021. Gagné un monsieur qui baille la police information. Gagné plusieurs individus qui ont fait le chantage, qui m'ont donné 500 000 dollars pour être capable de pas kidnapper. Et il travaille ensemble avec la police. La police lui-même fait une opération. Quand elle est arrivée, elle mettait main sous trois monsieur ça, qui a venu recevoir rançon dans même monsieur ça pour être capable de ne pas kidnapper. Et trois monsieur ça, la police est arrivée, mettait main sous eux. C'est Sori Sedek, Junel Julien et Franz Jérôme. Tu as gagné une date qui était 15 juin 2021. Il y a 9 membres de gang que la police est arrivée à arrêter dans la zone de Rémi. Ils ont fait partie de gang 17 euros. Mounsayo est pour nous Jean-Elancius Blanc, Gérard Antoine,
Davidson Tortus, Dimitri Cléna Amos, Chamou Louis, Naïka Balan, Jean-Saint Louis, Dina De Rilus et Vladimir Soufra. Après que la police te fin arrêté Mam Gang Sayo, te gagné un autre groupe gang, c'est l'information la police gagné, qui se gagne 400 Marozo, qui t'a essayé de prendre place Monsieur Sayo. C'était la date 23 juin, la police menait une autre opération dans la zone ça. Côté l'Urivé procédé avec interpellation 5 individus qui fait partie de groupe gang 400 Marozo, qui c'est Jimmy Telusman, Jean-Claude Jean-Baptiste, Rose Camille Jean-Baptiste et Eric Duméus et Jérémy Baptiste. Et il y a une parmi tous individus qui étaient là, qui étaient arrivés stoppés, il y a l'autre qui était arrivé prendre la fuite. Nous avons dans la boule 12, une opération qui était menée dans la date 23 juin 2021. Depuis plusieurs semaines, la police a eu information. Il y a un groupe gang qui a pour nous, Macac, qui a fait la population qui est dans la boule 12 monter le ciel pas d'eau. La police prend une décision pour mener une opération dans la zone ça. Pendant 3 jours, la police a été dans la zone ça, à demi levé. Pour être capable de contrôler, rentrer et sortir tout M. Sayo. Bien entendu, il était des informations sur qui ça a réglé et comment il est déplacé. Après 3 jours, ça, dans la zone 2h du matin, dans la date 23 juin 2021, la police commence l'opération. Côté, la police arrivait, stoppé 3 bandits dans l'échange de tir. Il y a 6 autres qui arrivaient joindre l'arrestation. C'est Camelo Dessalines, qui est un ambulancier, Étienne Jean-Marie, ambulancier, Molin Noël, selon sa parent, il y a parmi les gens qui étaient blessés, Charles Elisme, Jeannot Joseph et Maman Manès. Il y a plusieurs individus qui étaient blessés dans l'opération ça, que la police a cherché activement. Il y a 2 véhicules qui étaient récupérés. Il y a 2 armes qui étaient saisies, il y a des bonbons gaz lacrymogène que la police est arrivée saisie tout. Ministère Santé publique et population informée, il y a 110 nouveaux cas qui confirmés à 4 personnes plus qui mourent en bas COVID-19 là, dans la date 21 juin 2021 dans le pays. Ça qui bat un total 18 073 cas confirmés, 2 917 personnes qui passent à l'hôpital, 404 personnes mourent à 12 790 personnes qui traitent. MSPP dit salier, compatriotes sa yo qui parti quitter nous, eh bien souhaiter force à courage à famille, amis, défunts. De l'autre côté, ministère de Santé publique et population continue à demander tout le monde respecter tout principe d'hygiène yotakou, mettez cache dès pour rencontrer l'autre monde. Toujours laver main, toujours songer by tout le monde, 3 pas distance. Si vous remarquez une signe sa yo, tous fièvre ou pas prendre sang ou soit goût en rien, évitez prendre contact avec l'autre monde et puis relez dans 20-20 pour qu'on est ça pour faire. Nous retournons à la dernière tranche téléjournal. Force légale là, c'est la police. C'est déclaration directeur général AI Police Nationale là, Léon Charles Fay, vendredi 25 juin 2021. Commandant en chef PNH là continue pour dire, il n'y a pas toléré aucun groupe individu armé qui a troublé l'ordre avec la paix publique dans la société. Numéro 1, police là dit, il a continué avec série opération yo, dans toute zone côté bandit armé sorti pour faire loi. Léon Charles dit, il comptait dans son sens. Sous collaboration, chaque secteur dans la vie nationale, il y a une façon pour travailler là, plus efficace. Il y a un extrait. Mais c'est la police qui a le monopole de la violence légitime. Nous ne pouvons pas utiliser le même genre. Méthode, intelligence, enquête, frappe. Si vous-même, nous ne pouvons pas avoir le même genre. Je vous dis tout, encadrement, que il y a un petit peu de mieux. Désir dernièrement, et à réfléchir sur lui, insister sur ça, on va dire là, désir déjà. Bataille qu'a fait là, ce bataille de théorie, qui nous dit l'encadrement militaire. Mais c'est nous là, l'armée, à un certain niveau, accompagné. Il y a des boulots jeunes, des boulots, par exemple. C'est pas le qui délivre comme vous.
nous-mêmes qui la gourmet la gourmet pour jouer nous-mêmes en l'aise. Tout qui est libre quand même, il est bloqué accès. Nous avons information, nous avons ça qui est, nous démêler, ouvrir le route là, avant hier, il y a une quantité de camions passés pour aller alimenter ces sacs bail, si soulagement la question de distribution de camions. Mais nous demandons, et assez fort, la police a continué à travailler souvent à eux, créer accès pour avoir nos services de gaz. C'est même genre tout menace qui fait tout pillage qui dit, monsieur, on est qui, désolé de la dit, c'est peuple abdifon, leader communautaire, vous payez moi. Mais il y a vraiment un chèque pour nous, la menace de la population. Mais vous allez débarquer dans le business à chercher quoi faut fort, à chercher l'argent. Ça, c'est les années volées, bandits, kidnappeurs, voleurs de la loi. La police a continué de travailler pour empêcher que les deux continuent à faire des problèmes. Il y a des bandits qui sont dans le dernier jour. Parce que focus sur les plus méchants, les plus violents, qui ont paniqué la population. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.